Tout commença par un souvenir d'enfance. Un jour, mon grand-père me parla pour la première fois de toi, l'homme qui revenait de France et dont il fallait retenir le nom. Cédar Senghor, ce qui en CRR veut dire « celui qui n'a pas honte ». C'était lors d'une réunion publique organisée par le célèbre député Lamine Gueye pour te présenter aux Dakarois. Comme tous les enfants du quartier, j'avais fait une fugue pour te voir en personne. C'était à la mairie de Dakar, au cœur de la ville, sur le plateau. Pour les enfants de la Médina, c'était l'aventure. Cet après-midi-là, j'avais pu à peine t'apercevoir. Mais il me reste encore en mémoire le timbre particulier de ta voix, une sonorité qui persiste, charme et envoûte. Puis, une photographie en noir et blanc apparut. C'était la première image que je gardais de toi. Elle te montrait derrière la haute stature de Lamine Gueye. Et il se disait dans tout le pays que Lamine Gueye avait ramené de France, dans ses bagages, l'homme le plus lettré d'Afrique noire. Mon grand-père te décrivait comme un jeune homme attentif, aux yeux brillants de malice, remuant et vif d'esprit. C'était le lot de personnes de petite taille, affirmait-il, l'Endama.